Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le parapluie du top 1. Alors, pour débloquer le parapluie du top 1, il faut faire un top 1, c'est logique. Mais si vous avez de la difficulté pour faire des top 1, moi ce que je vous conseille, c'est de créer une partie uniquement contre des bots. Donc regardez, j'ai fait 23 kills dans la partie, il n'y a que des bots, je peux m'amuser avec... à faire ce que je veux, je peux faire tous mes défis et tout. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie contre des bots sur Fortnite, ben il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé, qui vous expliquera comment réaliser cette astuce. Donc regardez, là je tue le bot, donc boum, je fais top 1, et vous allez voir que là, ben maintenant, j'ai débloqué le parapluie du top 1. Donc on va retourner, on va faire un back. Hop, voilà. Alors je coupe pas la vidéo, je fais pas de coupure, comme ça vous voyez bien que même avec une partie contre des bots, ben vous débloquez quand même le planeur gratuitement, donc le parapluie imparable. Donc voilà, voilà ce que j'ai débloqué super facilement, sans me prendre la tête, avec une petite partie contre des bots. Donc je vais vous montrer, franchement il est très très beau, hein. Moi je l'aime vraiment bien, je vais vous montrer ce que ça donne en jeu, on va se l'équiper. Ok. Parfait. J'aimerais bien le redéployer pour voir. Hop. Ok. Ça va, il est stylé, il est stylé. Donc là, on va lancer une partie et je vais vous montrer ça directement en jeu. Ok, donc c'est parti. On va remercier le chauffeur du bus. Et là, boum, on va ouvrir notre petit planeur. Le petit planeur du top 1. Franchement, je le trouve vraiment... très 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 stylé. Après c'est un peu futuriste, hein. De toute façon je trouve que la saison, le chapitre 4, je trouve qu'il est un peu basé sur le futur, hein, parce qu'il y a beaucoup de d'armes futuristes, des skins futuristes, il y a des trucs aussi, des objets, des petits il y a des méduses volantes. Tout à l'heure j'ai vu ça, des méduses volantes. Franchement je trouve que le thème est assez futuriste, donc ça va bien avec le thème. Et franchement bah, c'est un parapluie gratuit, donc pourquoi pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et si vous avez kiffé la vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace!